Yo, salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 92 de Never Win Tonight 2. Quelle heure est-il? Il est 15h17, ouais, 15h16, 15h17. Et la dernière fois, bon, on a eu des bugs, hein. On a eu... Bon, ils sont en train de se battre, ça sert à rien, ok. J'ai eu un petit bug d'encodage, je crois. Ouais, c'est moi qui ai dû merder, vous avez eu deux fois la fin. Je sais pas si ça a été validé comme ça. D'ailleurs, on est quel jour? Ah bah c'est pas encore tourné pour vous, je l'ai fait un petit peu en avance. Et parce que je vais m'octroyer un peu de repos, donc je préfère vous encoder tout comme ça, ça change rien pour vous. Mais moi j'ai un peu de repos. Oui, je pense à vous quand même, je m'octroie des vacances et donc je force un peu plus avant. Captain, you must know that Highcliffe has fallen. Captain, Grand Roche est tombé, dites-le à Naval. Ah, j'ai échoué. I fell. Nous ne pouvons... Ah, Nasher, j'ai échoué. Vous, ma proie, c'était les couloirs. Ah, c'est en français, pardon. Ah, je vous lisais les trucs. Ah, donc je lisais parce que c'était un peu en anglais et un peu en français. Quand j'atteindrai le vallon, ce sera pour détruire le roi des ombres. J'ai les moyens de vous anéantir. Belle parole, mais ce sont vos dernières. Quel est ce livre que vous tenez? Ah oui, le livre. Vous le saurez bientôt. Occupez-le pendant que je récite son nom. Il me faut du temps. Alors tenez-le à distance jusqu'à ce que j'en ai terminé. Oh non, il se transforme en alimentaire. Hop, 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 arrêtez de tourner. Donc de l'âme, alors voilà, il se transforme en élémentaire. Ça va être chiant. De glace, je dirais, je sais pas, de feu, de poison. Bon, Camille, je crois qu'il y en a pas quelqu'un qui est immunisé au poison. Cara... Oui. Oh, puis j'ai pas lancé les trucs, merde, le boulet. C'est pas grave, on va y aller en mode barbare. Camille, tu t'occupes du feu. Toi, tu t'occupes de lui. Bien sûr, je peux faire ça. Toi, tu là. D'accord, je m'en charge. Et alors, la liste des sorts, déjà. Désintégration, attends, c'est cool. Ok, c'est cool, on va refaire une désintégration parce que c'est pas mal. Waouh! Bon, prémonition! Allez, vas-y, lance-le. Oh non, échec, fail! C'est quoi ça? Flamme d'outre tombe, je sais plus ce que c'est. Ah, des soucis. Tous les adversaires dans la zone doivent réussir un jet de vigueur ou mourir. J'en sors pour affecter au maximum un adversaire par niveau. Voilà, donc toi, tu... bah écoute, tu seras le premier. Hein. D'accord, concentration réussie, c'est mort. Bon, j'ai perdu le combat, on va recommencer. Parce que là, je pourrais pas le tuer, j'ai pas, je peux pas lire les pare-chocs. Par contre, c'est super fort pour moi. Je vais carrément baisser le son. Bon, ça m'embête vraiment. Toi, t'en es où? J'en ai que là. Toi. Allez, vas-y, ça sert à rien. Allez, je vais être obligé de recommencer. Je suis en train de me demander si je dois pas recommencer dès maintenant. Déjà. Allez, on va le faire dès maintenant. Combat, combat. Combat est perdu puisqu'on a perdu le seul qui est intéressant. Donc faut que je pense ce coup-là à mettre tous mes pouvoirs si je le peux. Je suis en train de crever de chaud encore, ça va? Non, ça redescend la température, la vache, heureusement. Pardon. N'oubliez pas de bien remplir votre livre de sorts. Ok. Alors, Oui. Oui, tu commences déjà par toi. Ensuite, dans l'ordre. Euh,
Hop. Ah, il y a plein de monde. Hein. Et je vois juste très même après avoir fait ça parce que. Mac. J'espère que je le fais pour quelque chose au moins. Allez, fais-le à toi et mets-toi le bouclier. Normalement, on est bien. Voilà. Bon, on va faire la sauvegarde. Et ouais, ça est important les sauvegardes. Les sauvegardes. 92.1. Allez, on repart avec Camille. Yes. C'est parti, on va se. Kaloum. Kaloum. Captain, you must know that Highcliff is fallen. Bon, on connaît les paroles. I failed. Oui, t'as échoué, oui. Qu'est-ce que vous okay. tenez? Ok, ça on s'en fout. Bon, je vous passe les coms du coup maintenant. Hein. Voilà. Donc, Kara. Tu vas. On va le faire dans l'ordre. Allez, toi tu pars à gauche. Par la barbe. Toi tu vas là. Toi. Tu fais ça. Toi. Tu fais ça. Bien sûr, je peux faire ça. Non, tu fais ça. Oui, c'est ça. Et Kara. Je m'en charge. Kara. J'en fais mon affaire. Voilà. Et tu me fais ça. On va tenter. On va voir ce que c'est. Ça ne lui a rien fait. Désintégration, ça fait du cul. D'accord. Au niveau de vie, on est comment? Hop. Tu attaques qui? Tu n'attaques pas le bon Camille. Tu vas direct pour reprendre l'agro. Ah d'accord, Kara. Bon bah Kara. Rayon polaire. Allez Kara. C'est lui que je veux. Oh putain, comment se faire niquer comme un gland. Voilà, Amon Giro. Amon Giro, non pas B, I. Tu actives l'objet. Tu actives. Il est où l'autre blendu là? Je vois rien. Golem. Ah puis dégage toi. Golem, bah il est où? Ah vache! Voilà. Ah non! Quelle gare! Ah oui. Et en moins, le ravageur. Ok, Camille, tu es où? Tu es là. Allez, finis le. Of course. Ok, Kara. Tiens, d'accord, Kara. Je m'en charge. Tu me fais ça. C'est très bien. Qui veut se battre? Approchez. Toi, tu t'occupes de lui. Entendu. Toi, tu t'occupes de lui. A favor. Camille, tu restes là. Hop, doucement ma petite chatte. Oh le ravageur, ça pue. Camille, tu t'occupes du ravageur. Kelgar, tu t'occupes de lui. Nini, tu t'occupes du ravageur. Il est où le ravageur? Il est là. Et Kara, tu t'occupes du ravageur. Allez, vas-y. Fais-moi un rayon prismatique, allez. Voilà.
Camille, c'est sur quoi là? Ah, on peut le péter, on peut le péter. D'accord, je m'en charge. On va faire du carnage. Allez, fléau. Boule de feu. Et c'était celui-là, il est bien le fléau majeur. Oh la vache! Allez! C'est lui qui me fait mal, l'enfoiré. Ah non, Kara va mourir. Putain. Donc c'est bien, toi tu descends. Quel gars, tu t'occupes de lui? C'est bien, quel gars, tant. Oui! Allez, encore. Ah putain, faut qu'il le relise. Merde. Ah putain. Activé sur le ravageur. Bon bah tant pis. Ah, y'a plus que toi. Allez. Allez. On va se les faire là. Les bouquins. Oh oui! J'arrive trop tard pour vous aider. Désolé, j'ai loupé ma bouche. Pour Callum aussi. Cette guerre. Oh joli! Bon, c'était joli là-bas. Oui, désolé, j'étais en train de boire un coup, j'ai loupé ma bouche, ça fait un vieux bruit dégueulasse. Bon, Callum a suffisamment ralenti le ravageur pour nous permettre d'arrêter cette abomination. Il est mort en héros. C'est bien ça. Aucun d'entre nous n'aurait eu le temps de sauver Callum. Notre retard a coûté la vie à Callum. Ah. Callum a suffisamment... Oh, il est mort en héros, allez, vas-y. Vous avez raison, capitaine. Il est difficile de perdre un tel ami. Mais vos paroles allègent ce fardeau. Mais heureusement que je suis là. Que faisait Callum ici? Il était chargé de défendre Grand Roche. Ça tue à Grand Roche, alors. Avant de mourir, Callum a dit que Grand Roche était tombé. Callum a laissé le roi des ombres s'emparer de Grand Roche, puis il a fui ici. Grand Roche est tombé, allez. Un ravageur tombe et Grand Roche... Quelles que soient nos victoires, l'influence du roi des ombres s'étend. Bon, on doit en informer le seigneur Nasher. Il faut préparer l'armée à marcher sur Grand Roche. Mais avant d'engager nos troupes, il faut préparer le fort de la croisée. Faites les travaux nécessaires à votre fort. Puis revenez à moi quand tout sera prêt pour que l'armée marche sur Grand Roche. Le ravageur des ombres nous a fait un cadeau. Lui mort, nous avons le tome qu'il détenait. Le tome d'Ilt-Kazar, c'est peut-être la clé qui nous permettra d'atteindre le roi des ombres. Mais pour en être sûr, il faut consulter Aldanon au fort. Encore? Alors, donc là, comment, je sais même, je suis perdu là. Quelle heure on a dit que j'avais commencé? 15h17 me semble-t-il, hein. C'est ça. Oh, le foot 10 minutes, on a largement le temps. Bah, on va faire une sauvegarde, tiens, au passage. Ouais. Allez, quand tu veux, voilà. 092-2. Voilà. Toum. Ouais, ramassons les restes quand même. Des pièces. Pas rien. Reposons-nous. On va tout perdre, mais tant pis. Tout le monde va être full life. Oh, le ravageur, j'ai pas récupéré d'ailleurs. Oh oui! Anneau, objet non identifié. C'est trop lourd, je sais, oui. Ah, il est de tome, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de ranger ça comme ça. Tome, examiné. Un grimoire légendaire qui a autrefois appartenu au roi mage 10. D'Ilt-Kazar, un royaume de Kalimshan oriental disparu depuis des siècles. Le tome est censé renfermer des sorts d'une extrême rareté, dont certains permettent de créer un portail permanent entre les plans d'existence et les autres, et d'autres de lever des armées de golems. Est-ce que c'est pareil? Ça dit pareil. Ok, qu'ai-je vu? Tiens-toi, oui. Non. Bah toi, tu veux peut-être savoir, alors. Suivez-moi tous. Ah, 2d6 taillé, plus 1d6 de tranchant, plus 3 de force, plus 2d6 de massif. Ah! Ah ouais, bon, on va regarder ce que c'est là. Et toi, tu ne sais pas ce que c'est, donc toi, tu vas pas savoir. Yes! Donc,
Identification. Oui, premier coup. RD, électricité, feu froid. Cool. Donc je l'ai déjà. Oui. Toi non. Qu'y a-t-il ? Toi tu ne l'as pas. Tu n'as rien. Suivez-moi, tous. J'ouvre la route. Écoute, yes. Je vais donner. Oui. Oui, à toi. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? 2D4, ah oui. Et yes. Ça. Lame d'âge. Ouais. 1D8 plus 1D12 vers les magiques. En extérieur, plus du charisme. Oh là 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 là, elle est trop. Trop brute, trop brute. Et puis ça, bah, ça vaut pas le coup. Parce qu'elle fait 1D10. Ah, j'ai 2D6 plus 1 d'électricité. Et là, j'ai quoi? J'ai 1D6 de tranchant et 2D6 de massif plus de force. 3 en force, 3 en altération. Critique x3, ouais. Parade H. De la CHP, hein. Non. On va. Hop. 2D6. Ah, oh, j'ai opté pour celle-là. Je suis à combien en force? Je suis à 22. Et là. Je ne bouge pas, d'accord. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est l'électrique quand même. Là-dessus. Ah bah non, je suis regardé là. Clairement. Bah tiens, garde-la sur toi, c'est très bien. Ok, les levels, tiens, juste au passage, on va regarder où on en est. On en est au début. Yes. On en est. Ouais. Y a-t-il ? Ah, bientôt. Je peux t'aider ? Non. Oui. Et non. Yes. Ok, donc on va où ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut aller à Fort de la Croisée, me semble-t-il. J. Le troisième ravageur, un truc à l'homme dans les pas. Dans les parages immédiats de Fort de la Croisée, vous l'avez détruit à l'aide de Damon Jérôme. Sur le fond de la croisée. Bon bah direction fort de le fort. Bon, bah, on va ressortir. J'aurais peut-être dû fouiller un peu plus bas. Oh non. J'ai pas de choix si. Comment ça se passe? Quand tu veux. T'es sérieux, j'arrive au fort là. Sentinelle de la route. Ah ouais. Je n'en suis pas sûr. Je suis bizarre à montrer, il est pas comme d'habitude. C'est peut-être moi. Ah, est-ce qu'on a trouvé des minerais, tiens, au passage? J'ai l'impression que c'était la ferme directement. C'est étrange. Je sais pas, c'est peut-être moi qui ai jamais fait attention ou je ne sais pas. Ouais, non, c'est moi qui ai pas dû faire attention. Tiens, c'est toi que je voulais voir. Tu n'as rien de plus, c'est ça? Ouais, au revoir. Au revoir, tadam. Allez, allons vers la cour. Il n'y a pas de... Ah, y a pas de Wolf. Depuis la feuille, le personnage, lorsqu'ils ont glané assez d'expérience, oui, je le sais. Donc là, on a des persos pas mal stuffés, normalement. Puis en plus, on tient les épées, attention. Hein. Prêt au combat. Donc là, faut qu'on aille voir Amon... non, pas Amon Jiro, Aldanan. Voilà. Bizarre de voir que 4 personnes avant, on était 5 avec Chandra. Mais bon, Chandra est déchu et tombé à cause de son grand-père. Qui est dans mon équipe. Aldanon. Pas de nouveau. Pas de nouveau. Aldanon, où es-tu? Tu es là. Bon. Auriez-vous une autre recherche à me soumettre? Tu te fous de ma gueule? Un moyen d'accéder au vallon du Mardelin. D'abord, il faut commencer par créer le portail. Et pour ce faire, il faut le tome. Ah, je l'ai! Qui est très certainement entre les mains des horribles ravageurs des ombres. Mais je l'ai, le tome! Bah, rien. Tu te fous vraiment de ma gueule, là?
Je suis pas fou, hein. Examiner. Ouais, on a déjà lu. Examiner. Ah, un grimoire. Ah, les gendarmes appartenaient au roi mage. Le tome est censé reformer des sorts d'une extrême rareté dont certains peuvent créer des portails, c'est ça? Entre le plan est de lever des armées de golems. Mais oui, si, on l'a lu. Pourriez-vous trouver un moyen d'accéder? Ah, mais merde! Tu me saoules! Les noms véritables devraient faire la merveille. J'aurais dû y penser moi-même. Allez, que pouvez-vous. Tout ce que j'ai dit sur les fragments, on s'en fout. Je crois qu'une fille. Que la jeune fille a parlé d'un fragment manquant, mais elle doit. Elle seule doit le savoir, puisque c'est elle qui en a parlé. Accéder au ma. Oh, putain! Il faut commencer par créer le portail. Pour ce faire, il faut le tome qui est très certainement entre les. Mais je l'ai! Bon, rien pour l'instant, merci. C'est pas super gentil de ta part. Va chier, toi, t'as pas quelque chose pour moi? Oui. J'aimerais en savoir plus à propos. On s'en fout. Oublions ça, au revoir. Alors. Bon. C'est important, il m'avait dit. Capitaine, Non, Cana, c'est pas la capitaine. Le résultat des missions spéciales accomplies par les Grimantels ont veillé sur les percepteurs pendant la tournée, heureusement d'ailleurs, car il a fallu combattre des brigands. Les villageois ont semblé contents de cette façon de faire, trop contents même d'après moi. Les impôts collectés ont été mis au coffre. Voyez avec Maître Vidal pour les détails de la somme perçue. Faites-moi un rapport sur le fort. Moyen, très haut le moral. Ah, ouais, oh, le meilleur. Par contre, force de l'unité, pas terrible. Basique, bah oui, j'ai pas trouvé. Bâtiment non construit, ok, on a tout construit, très bien. Tout renforcé, niveau sécurité des terres et des routes, on est faible, d'accord. Ok, bon, bah. Bon, ils sont contents, on s'en fout. On va se faire chier. Ça me saoule, Aldanon, franchement, que tu saches pas. D'informations sur les alliances, trouver un moyen d'accéder. Tu as un moyen, rien pour l'instant, va chier. J'ai dû oublier quelque chose dont je sais pas. Toi, j'ai rien à te vendre, je m'en fous pour l'instant. Voilà. Ok, je suis un. On va se faire chier, ça va être chiant. Alors. Bon, j'y sais ça. Donc, j'ai appuyé deux fois, loser. Donc, il fallait bien que je rentre au fort. Faut qu'il avance sur fort de la croisée. Bon, Wolf, tu peux regarder en ville. quelque part, ouais. Au chemin extérieur. Allez, vas-y, Wolf. C'est assez pratique, même si c'est un peu chiant, les temps de chargement, etc. Je crois, parce que le vieux est quand même assez jeu. Le vieux est assez vieux. Allez, je badge. Non. Amon. Je reviens avec moi, Amon. On va aller. Non. Putain. Y'a rien en fait. C'est quoi ça? Ah oui. Fort de la croisée. Mais j'ai rien d'autre. T'es glandé au fort de la croisée. Je sais pas si on va recharger d'ailleurs un coup, mais. D'accord, je peux pas y voyager. Je vous fais une petite ellipse, ça va être plus simple, parce que c'est chiant aussi. Ah bah non, je veux pas d'ellipse. On verra ça au prochain épisode, au fait, tout simplement. Eh oui! Ah, parce qu'on va pas faire des épisodes de 8 heures non plus. Je vous donne rendez-vous cet après-midi dès que j'ai trouvé une meilleure solution, dès que j'ai trouvé quelque chose. Ils sont tous en train. Ils boivent mes paroles. Par contre, t'as une tête de crâne dans le crâne. Un crâne dans ta tête. Bref, allez, buvez mes paroles. Hop, on va faire la sauvegarde. Je vais écrire. Nouvelle sauvegarde. 93. On s'approche de la fin. Et moi, je vous donne rendez-vous cet après-midi, justement, pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde! Oh,